les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mes commandes Aromazone. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, il fait toujours pas beau dehors, mais ça c'est pas grave. Donc on va commencer, ce n'est pas un DIY, j'ai une mouche là qui m'embête. Ce n'est pas un DIY, mais vous pouvez prendre une boisson chaude, quelque chose. Donc là c'est pour réaliser en fait une crème, tout simplement. Après j'ai pris un actif cosmétique, ça c'est pour les cheveux. Après, j'ai repris de l'amidon de maïs, matifiant et unifiant. Donc ça, vous pouvez le mettre, normalement, si je dis pas de bêtises, dans le déodorant solide. Repris de l'huile essentielle, donc citron, sans furo, cou, narine. Peut-être c'est ça. J'ai pris du sel d'Epson. Alors ça, ça c'est merveilleux. Parce que c'est un décontractant, donc vous mettez quelques cuillères dans votre bain, vous êtes bien. Après vous prenez un petit cocktail, vous voyez là, moi je me vois bien dans le bain avec le petit cocktail. J'arrête parce que j'arrive à me fatiguer toute seule, hein. C'est très bien. Ça je suis très contente, le sel d'Epson shampoing végétal. Donc ça c'est pareil, ça c'est trop bien. En fait c'est plusieurs poudres que vous mettez dans un bol, vous mettez de l'eau et vous l'appliquez sur les cheveux. Impeccable, ça j'en ai pris deux. Après j'ai pris sérum niacinamide, 10% cuivre et zinc. Alors j'ai pris en recharge parce que j'ai des contenants vides à la maison, en verre, donc du coup je vais les mettre dedans. Ça c'est en verre, acide azélaïque, c'est un matifiant et un équilibrant. Acide hyaluronique, ce sera vraiment pour le visage. Et si vous l'utilisez, il faut qu'il soit humide votre visage. Mais de toute façon, Aromazone y met tous les préconisations. Donc ça, c'est un fluide purifiant, hydratant au zinc et à l'acide salicylique. Ça, c'est de la poudre nettoyante enzymatique papaye vitamine C. Sérum cheveux dessine et boucles à l'huile de piqui. Alors piqui, je ne sais pas ce que c'est. Et vous mettez dans les coffrets là comme ça les instructions. Les instructions, comment réaliser la recette. Hein. Et dedans, vous avez tout. Donc, je vais vous faire la recette parce que au final, il n'y a rien de compliqué. Vous avez les instructions sur le petit livret. Donc, le flacon pompe, le flacon, flacon sérum, l'huile végétale de piqui. Si nécessaire, passez le flacon d'huile de végétale de piqui sous un filet d'eau chaude. Bon, alors on va faire ça. L'huile végétale de brocoli. Ouais, de toute façon, je vais avoir les cheveux qui vont sortir le brocoli. On va pouvoir manger sur ma tête. Je rigole, mais ça se trouve, peut-être on va me picorer le crâne. Et donc après, pour terminer, le coco silicone. Ils disent que ça convient parfaitement aux cheveux ondulés, frisés, crépus. Mélanger. On mélange. Hein. Alors après l'étiquette, vous mettez le nom du produit, là, sérum cheveux. Vous collez et voilà. Je vous ai montré tous mes achats. Je ne sais pas si vous connaissez Aromazone, si vous connaissez s'il y a des produits qui vous parlent. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre, si vous ne mettez pas de commentaires, des pouces et des petits emojis. Peut-être aujourd'hui, si vous vous sentez joyeux, un petit emoji qui fait un petit sourire. Alors, j'espère pas triste en regardant ma vidéo, hein, mais vous voyez. En emoji, ça peut aider en fait la chaîne à se développer. C'est la fin de la vidéo, c'était encore un petit peu long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.